مشتركي صبوراني دونك صالح لكم سيري 2 على تيوريم دو تاليس. نبدا بالاكزرسيس 1. دونك دون لا فيغور 50 ABC est un triangle quelconque et AI est la bisectrice de l'angle BAC. La parallèle AB passant par C coupe AI en E, montrer que ACE est un triangle isocèle en C, montrer que IB sur IC égale à AB sur AC. Bien sûr, on a présenté comme figure, donc je vais vous montrer. Donc là, la parallèle AB, je dis ça, la parallèle AB, bien sûr, je vais vous montrer perpendiculaire à AB. Bien sûr, je vais vous montrer le droit. Je vais une droite perpendiculaire à cette droite et passe par C. Voilà, donc à quel point C. Donc tout simplement, je vais vous montrer une droite donc perpendiculaire à cette droite et passe par C. Voilà, ça c'est la droite interne. Donc je vais vous montrer le parallèle. Donc comme je suis au parallèle, coupe donc AI en un point. Et il y a sa mère l'exercice, donc un point E. Voilà. Question l'aîné, donc montrer que ACE donc, est un triangle isocèle. Bien sûr, je sais le compte. Donc ACE, ah ouais. Déjà, c'est un triangle isocèle de sommet C. Donc, je vais il y a un triangle isocèle. Okay? Donc, là, je vais vous montrer. Les deux angles là sont égaux. Allez, à la khater, AI ou à la bisectrice de BAC. Voilà, donc je te dis. Donc l'angle BAI égale l'angle IAC. Voilà, donc BAI égale IAC car AI est la bisectrice de l'angle BAC. Voilà, donc et où le hache. Donc, on a donc l'angle BAI, BAI égale donc l'angle CEI, CEI. Ces deux angles allèges sont deux angles alternes internes. BA et CE sont parallèles et forment avec la séquence AE deux angles alternes internes. Donc, BA parallèle à CE forme avec... Donc, la séquente AE, donc deux angles des chapitres marboutim ba'adamra, alterne, interne, l'ihuma BAI et donc CEI sont égaux. Donc, BAI égale CEI. Voilà. Donc, on dit l'angle hédi égale l'angle hédi. On a l'angle hédi égale l'angle hédi. Donc ces deux angles sont égaux. Je vais vous écrire le star. Donc on a BAI égale IAC. On dit BAI, kif bayin, t'es li BAI, donc égale CEI. Voilà, donc ça ne donne que IAC égale CEI. Voilà, donc le triangle interne est un triangle isocèle de sommet C. Donc ACE est un triangle isocèle donc de sommet C. Voilà, donc elle parle de la question en débat, montrer que IB sur IC, donc IB sur IC égale donc AB sur donc, égal AB sur AC. Voilà. Donc, on a égal AB sur AC. Donc, tout ce qui est en train de se faire, c'est une chose grave. Donc, on a un rapport qui est en train de se donc, IB sur IC égale AB sur AC. Donc, IB sur IC égale AB sur AC. C'est une chose quelconque. Donc, bien sûr, je vais utiliser la question de l'équipe. Et nous, AC égale à CE. Donc, on écrit IB sur IC égale AB sur CE. Toi, les logiques. Donc, IB sur IC égale AB sur CE. Voilà, donc c'est Thalès. On dit Hadoumazous parallèle. Donc, on applique Thalès. Je vais nous donner son égaux. Or, CE égale AC, vu que notre triangle interne est isocèle. Donc, je nous donne le résultat. Et voilà. Donc, une autre démonstration interne. Bien sûr, on va dire comment on a la figure. Donc, je vais faire une démonstration. Donc, les droites IA parallèle et IB sont séquentes
راهو الخدمه هذه راه موجوده بارتو، لكن ديفيرونس في سابوراني تاني انا نوريكم دونك ايتاب بار ايتاب، نوريكم كيفاش دونك شنو معناها الديمونستراسيون. ديمونستراسيون تري دونك تري امبورطونت في المات، مي لازم نعرفوا كيفاش حاطينها. اوكي دونك 150 اون اي، وعندي دونك سي ابارتيان للاي بي، وعندي او ابارتيان للاي ا، عندي AB parallèle à EC. Voilà, donc pour appliquer Thalès, donc d'après le théorème de Thalès, donc je n'en ai rien, IB sur IC égale IA sur IE, donc est égal à AB sur CE. Or, عندي N EC égal à C. Donc, le triangle interne ACE et isocèle de sommet C. Donc, isocèle en C. Alors, l'énergie, je dis, c'est et nous, IB sur IC égale donc AB, nous je vais CE et AC. Voilà, ok, un coup. Bien, donc, le résultat, il est balé à l'exercice. Ok, donc, on va aller à l'exercice là-bas. Donc, dans la figure, c'est contre ABCD est un rectangle. Donc, ABCD. Tel que AB égale à 8 cm et AD égale à 5 cm. EF parallèle à AD. Et M, un point quelconque de AD. Oui, le point M, donc AD, voilà. Évaluer le rapport MI sur MB. Donc, MI sur MB. Voilà. Donc, je t'attends deux droites parallèles. Option n'appliquer Thalès, ok? Donc, les nems, je n'attends droite AM parallèle à EI. Donc, AM parallèle à EI. Déjà, regardez, il nous EF parallèle à AD. Donc, AM, je trouve parallèle à EI. Donc, et on applique les nems, théorème interne, bien sûr. Je t'attends donc le rapport MI sur MB. Voilà. Donc, on a déjà les questions internes. Donc, on a AE. A et B donc sont alignés tels que AM parallèle à EI. Et dit Olhage. Donc AE et B sont donc les projetés de M, I et B respectivement. Donc sur AB parallèlement à AD. Ok, donc les nations statini nous MI sur MB égale AE sur AB qui est égal 3 sur 8. Voilà, ou bien donc les nations. Donc égal MI égale AE sur AB, donc égale AE sur AB. Ou bien on applique tout simplement Thalès, le triangle ABM, puisque nous sommes parallèles. Donc je vais faire Thalès, donc je vais BI sur BM égale BE sur BA qui est égal EI sur AM. Donc, les nebs tatini, bien sûr, n'a pas fait dire et nous AE égale à 3. Donc, il est égal à 8. Donc, il est égal à 5. On applique Thalès. Okay? Donc, les méthodes, je vais vous montrer. Donc, les nebs, loi de projection. Tadal question numéro 2. Donc, montrer que lors de triangle, l'aire de triangle, pardon, MIJ, donc MIJ, reste constante lorsque M varie sur AD privé de A. Et D. Donc, l'aîné, bien sûr, l'aire de triangle IHN. Triangle MTIAD, donc MIJ, l'aire MTIAD, donc, il y a 3 fois IJ sur 2. Donc, qui fait chamal 3 fois IJ sur 2. Bien sûr, l'aire de triangle, puis j'ai l'aîné, on la hauteur, donc, à hauteur MTIAD, c'est même le point H, l'aîné. Donc, il y a MH fois, donc, IJ sur 2. Or, MH, il y a AE qui est égal à 3. Voilà, donc, je vais vous dire, quelque chose. Donc, l'aire du triangle MIJ, donc, et AH
fois ij sur 2 donc qui est égal 3 demi fois ij. Donc l'ini habibayn inno l'aire de triangle est constante. Bien sûr, nous avons عندنا هنا عندنا les droites MB et MC sont 50 en M. عندي I appartient à MB ou عندي J appartient à MC ou عندنا IJ parallèle à BC. Donc, je vois les comme les nains, j'ai comme les figures d'IM. Donc, nous, les droites MB, donc avec MB et MC, donc sont 50 en point M. Nous, I appartient à MB ou J appartient à MC. Donc, on dit IJ est parallèle donc à BC. Voilà. Donc, les nains, on peut appliquer le théorème de Thalès. Je t'attends MI sur MB égale à MJ sur MC qui est égal donc IJ sur BC. Voilà, donc on peut appliquer Thalès l'année, Champchiartini. Donc MI sur MB égale MJ sur MC qui est égal IJ sur BC. Donc l'année, je peux déterminer IJ donc sur 5 égale 3 sur 8. Fatalena narf et nous. Donc narf les dimensions internes. Donc l'année, IJ sur BC. Donc le BC narf il y a 5. Égale donc 3 sur 8, il y a MI sur MB, c'est la question numéro 1, donc est égal 3 sur 8. Voilà, donc je peux déterminer l'iné IJ est égal, donc égale 3 sur 8 fois 5, okay? Donc est égal donc 15 sur 8. D'où l'iné elle est allata, donc d'où l'air du triangle interne, il y a donc 3 demi fois IJ, donc qui est égal 3,5 fois 15 sur 8, donc qui est égal 45 sur 16 cm carrés. Elle est constante. Ok? L'exercice les part. Donc, dans la figure, c'est contre C et C' sont deux cercles de centre I et J respectivement et sont tangentes en haut. On a les deux cercles, tangentes en haut. Les points O, I, J et C sont alignés et O, A et B sont alignés. Okay? Donc, O, A, B alignés, O, I, J et C sont alignés. Montrez que O, A sur O, B égale 1,5. Comparer OI sur OJ, OA sur OB et on déduire que IA et IB sont parallèles. Donc, l'année, bien sûr, je n'ai pas un triangle, je n'ai pas de donc, il y a un triangle OAG, donc OAJ, pardon, inscrit dans le cercle C. Donc, l'année, un triangle interne, le côté interne est diamètre, alors c'est un triangle rectangle. Donc, l'année a un angle droite. Kif l'année, je ne parle pas d'un angle droite. Donc, un des deux droites parallèles. Angle droit. Donc, un des deux droites parallèles. Alors, ma l'année. Donc, avec. Voilà, avec. Avec un des l'année. Donc, un des ces deux droites sont parallèles. Bien sûr, je vais te le faire. Donc, normal. Le triangle. Chapitre 1, t'es pas bardou donc. OAG est inscrit dans le cercle C dont le côté OJ est le diamètre de C. Donc, OAJ est rectangle en A signifie l'iné que AJ perpendiculaire à OA. Il dit OLHAJ. Kif kif, de même pour le triangle OBC, donc est inscrit dans ses prix dont le côté OC est diamètre de ses primes. Donc, je vais commencer un triangle interne OBC et rectangle en B, ce qui est dans l'iné, donc CB perpendiculaire à OB. Voilà. Donc, nous avons donc AJ perpendiculaire à OA. CB perpendiculaire à OB, on a une OAB sont alignés.
Donc, je peux démontrer l'année et nous agit parallèle à CB. Donc, on peut appliquer Thales. Donc, l'année générale, d'après Thales, OA sur OB égale OJ sur OC. OA sur OB égale OJ sur OC. Or, OJ est centre de cercle C', ou OC ou diamètre. Alors, l'année OJ égale à 2 OC. Okay? Donc, OJ égale à 2 OC, ce qui donne OJ sur OC égale à 1,5. Donc, il est égal à 1,5. Eh bien, on a nous donné le résultat final interne. Donc, il nous OA sur OB égale 1,5. Voilà. Donc, dans la question les bases, donc, comparer OI et OJ, OJ, comparer OI, OJ et OA, OB, et on déduire que IA et IB sont parallèles. Donc, l'année qui fait que je vais vous faire, donc, on a OA sur OB égale à OI sur OJ. Avec l'année, OA sur OB égale à OI sur OJ. Bien sûr, à l'échelle l'année, la quatrième est le milieu centre de cercle où OJ ou le diamètre. Donc, l'année OI sur OJ égale à 1,5. Donc, OA sur OB égale à 1,5. Donc, OI sur OJ égale à OA sur OB. Voilà, donc, j'ai encore une question interne. Donc, bima inu I égale milieu de OJ. À l'échelle la quatrième I est le centre de C où OJ ou le diamètre. Donc, diamètre de C, bien sûr. Donc, OI sur OJ égale 1,5, qui est égal OA sur, donc, AB. Voilà, OA sur OB, pardon. Voilà. Et on déduit que IA et JB sont parallèles. Donc, je vais bien, et nous, IA donc, et JB sont parallèles. Bien sûr, je sais que nous allons les romans parallèles. Donc, ça va. Et puis, il nous a donné un parallèle. Donc, nous avons l'année, bien sûr, on applique la réciproque de Thalès. Donc, nous avons donc milieu de OJ, nous avons milieu de OB. Donc, nous avons bien sûr parallèle d'après la réciproque de Thalès. Okay? Donc, l'année, nous avons les droites. Donc, OB et OJ sont 50 en haut. Et on a A appartient à OB. On a I appartient à OJ. Tel que OA sur OB égale OI sur OJ. Donc, d'après la réciproque de Thalès, on a l'année IA parallèle à JB. Bien, on a beau choix l'année. Qui est dans JB, je n'applique pas Thalès. Je n'applique pas Thalès, donc nous les deux droites sont 50. Nous le point qui appartient à la droite de l'année ou le point qui appartient à la droite de l'année. Nous ces deux droites sont parallèles, donc nous sommes le résultat. La réciproque de Thalès, nous avons l'égalité, puis nous sommes les deux droites que sont parallèles. Okay? Donc, t'abonnez à la sabouranette, inchallah, ça va vous donner des autres exercices.